Ah, attendez, le roi de Bourgogne, non, 34, putain. Ah, ça c'est accepté par contre. On a le roi de Frise comme, comme allié maintenant. C'est vrai qu'il n'a pas de tuteur, mais c'est un guerrier qu'il me faut. Ça manque d'or, bah il me faut 300 d'or. Non, c'est pas ça, c'est par rapport à ça. Il me faut le royaume. 325. 325 d'or, il me faudrait. Après là ils sont quoi? 96% dans un mois. Ah j'adore. Alors que je me penche sur la carte dans la salle du conseil, un grincement soudain me fait tourner la tête vers la porte. Mon fils Laurent Garnier apparaît dans le couloir et entre dans la pièce. Il me regarde d'un air impénétrable pendant un moment, puis s'approche de moi et me serre dans ses bras. Je le regarde, une larme cachée dans l'œil, tandis que ma main caresse ses cheveux pour essayer de lui rendre l'appareil. Vous êtes un bon fils. C'était ça l'événement qu'on avait eu tout à l'heure. Il est génial cet événement. J'aime beaucoup. Faut proposer un otage au roi. Pourquoi je proposerai un otage? Quel est l'intérêt de lui proposer un otage? Je vois pas l'intérêt de lui proposer un otage. Il m'a pas menacé, il m'a rien fait, je comprends pas. Bon, eux vont vouloir se déclarer indépendants, tout ça. Il n'y a pas de souci. Par contre, j'aimerais bien finir rapidement ça pour passer à préparer araignée. Ça me plairait bien. Tout lever ici. C'est une courtisane. Alors, par contre, où est-ce qu'ils sont? Bon, j'espère qu'on va pouvoir faire ça. Mais normalement, en prenant ça, je me dégage une grande partie. Faut juste qu'ils arrivent vite, quoi.
Oh, en ramassant les épées rembourrées pour un match d'entraînement avec mon fils, je remarque un journal en lambeaux sur un buffet. D'après la couverture, il semble contenir des exercices de bonne pratique concernant les arts martiaux. Laurent Garnier jette un œil dans ma direction. Oh, ce truc, je lis surtout pour les illustrations. Vous pouvez l'emprunter. Saisissez la poignée, pas le bout pointu. J'aime beaucoup. Oh merde. Par contre, ouais, ça va me faire chier là. Ils vont m'attaquer sur ma capitale. Est-ce que ça va suffire ou pas, hein? Le problème, c'est que s'ils prennent tout, s'ils m'attaquent sur ma capitale. Alors, normalement, ma capitale est plutôt bien défendue, mais c'est normalement. Après, là, on a 6 mois. Et là, ils ont 9 mois. Après, si je prends 100%, normalement, c'est bon, mais. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, il va défendre comme ça. Ok. J'espère que ça va marcher ce que je veux faire. Soit on les prend assez vite et on fait tomber tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on part là-dedans ou pas? Guerre, prouesse de guerrier, efficacité des chevaliers, sang noble. Non, ça, il nous faut les traits congénitaux qui soient pas mal. Le sang noble est important. Et si on peut faire tomber Cagliari, ça serait parfait. Ouais, ça va sur Cagliari, c'est parfait. On aura le 100% avant eux. Et là, ça va défendre ma capitale. Je me suis fait piquer un bouquin, hein, malheureusement. Mais le bouquin, on le retrouvera bien assez tôt, je pense. On a 4 mois. Ça va foutre le boxon chez nous, mais on aura les armées, je pense. On a 1800 troupes. On va avoir le 100% avant qu'ils puissent faire quoi que ce soit. Il reste 30 jours. L'alchimiste saisit un flacon de guano de chauve-souris tandis que mon serviteur l'observait avec crainte. Puis, soudain, je suis interrompu par Barbara qui est furieuse. Est-ce que vous venez de traiter ma chère mère de vile acquicheuse? J'exige. Elle me fait chier, la vieille, là. Allez, 100%. En tôle, les gueux, en tôle! Donc, toi déjà, c'est. Non, alors. Ah, je peux pas lui retirer son. Ah, mais je peux négocier la libération, mais ça me plaît pas. Parce que s'il meurt, c'est l'autre qui. L'un dans l'autre, ça m'arrange pas en fait. On est d'accord que ni l'un ni l'autre, ça m'arrange. Pour l'instant, je peux pas. Pour l'instant, je peux pas. Parce qu'il faudrait que je sois en autorité de couronne limitée. Sauf que l'autorité de la couronne limitée n'existe pas dans. Elle est pas. Elle n'a pas été débloquée, je crois. Et il faut les casus belli pour ça. Non, faut le registre. Ça, c'était quoi? Non, c'était l'assemblée plénière qu'il faut.
Et j'ai pas l'assemblée plénière. Et ça m'ennuie fortement. Par contre, s'ils meurent tous, on peut régler quelques trucs. Mais on peut les déplacer au cachot, par contre. Pour que ça meure plus vite. Lui, il a un enfant, il a une fille, et lui, il a deux fils. Ça va partager ses terres encore en deux. Mais moi, ça va me foutre la paix pendant ce temps-là. Je vais peut-être pouvoir devenir roi. On a DJ Snake qui a une fille. Donc, c'est mon troisième fils, c'est ça? C'est ça. Qui a un petit gars. Donc, il me faudrait un nom de... Ah, on avait dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait dit comme nom? Ah, attendez, excusez-moi. C'est juste que je fasse ça. Et non, le roi d'Italie est pas mort, mais moi c'était le roi de Lotharingie avec qui j'étais allié, Mark Mail. Toc, toc, toc. Et on avait Tim Elvis tout à l'heure qui avait été proposé. Juste que je fasse ça, parce que sinon ça va pas le faire. Ah, Fatboy Slim, c'est bien aussi ça, oui. Garde tes dents, je m'en fous. Revendication d'artefact. Ah bah il est mort dans les tôles, dans les geôles. Votre vieil ennemi est mort. Mais le problème, c'est que si lui meurt, qu'est-ce que ça donne? Lui, il peut mourir. Il y a des possibilités de mort de la part de l'enfant. Donc je me dis que. Le mode vie d'intendance, faut que j'avance sur mon mode vie d'intendance, faut que j'aille chercher préparer la succession. Écrit. Ah, un conte à effrayer un mystique de la région, un moral louton et un paysage inventé de toutes pièces parfait. Mauvais présage, pénalité moyenne. Rançonné. Qui est cette votre petit-fils est prisonnier. Pourquoi par contre lui il est entraîné là-dedans? Ok, son père. Je suis son tuteur. Et elle, elle est. Non, il n'y a pas de. Tous les enfants n'ont pas des tuteurs, donc c'est un peu chiant. On a le duc de Flandre, mon beau-fils, qui. Et Apache peut avoir un tuteur. Oui, c'est bien, non? Ah, par contre, il va falloir qu'on augmente parce que les comtés qui rapportent pas parce qu'on s'est fait piller, ça me fait un peu chier. Bon, par contre, les assassinats, est-ce que ça va fonctionner, ça? Avec lui, il meurt. Ah, ouais, c'est bon, d'accord, ok. Donc normalement, ça devrait, si on arrive à tous les assassiner, ça devrait... Ouais, non, les carpes, j'en ai rien à foutre des carpes. Moi, il me faut de la thune, il me faut un titre là, un titre de roi. Et 300 balles le titre de roi... à piquer, c'est bien ça. 325, ouais.
Alors que je fais le tour de mon château, un vieux paysan m'aborde. Grand seigneur, si vous payez pitié de nous et sauvez notre village, la tyrannie d'Alama Saoud Sarakustra. Il nous a négligé bien trop longtemps, le peuple se languit à nouveau des gens et si. Putain, capturé. Non, non, mais je vais pas attaquer l'autre. Non, je peux pas, moi. Je peux pas. À un moment pour bon, le gamin est mort. Gamin suivant, elle a 3 ans et elle a 7 ans, donc c'est celle-là qu'il faut faire assassiner d'abord. 31% de chance seulement et 61% de chance. Il faut quand même qu'on commence par elle. Hein. Faut quand même qu'on commence par elle. Ouh, elle peut être convaincue. Ouh, si c'est la maître espionne qui se met dans le tas, ça facilitera les choses. Ça sera de l'argent bien dépensé, moi je dis. Est-ce qu'on peut changer la culture? Il reste 2 ans pour faire ça. Là, le truc, c'est que ça met 2 ans pour en venir là. Ça m'embête un peu, ça. DigiSnake a une petite Laïa, très bien. Acceptation culturelle entre les Catalans et les Sardes de 1%. Putain, j'en chie pour apprendre la langue. Tiens la progression, s'il te plaît. Je vais peut-être devoir piquer la langue. Le comte Paulus attend un poste. Mais il est bon quoi, le comte Paulus? Ah, si, il est plutôt même pas mal, le gamin. Il est même plutôt pas mal. On n'est pas si mal. C'est pas votre épouse ou 300 points d'expérience en vie diplomatique. C'est bon ça. Ok, on va prendre les bouquins érotiques, tant pis. Le royaume de Sardaigne, il fait tellement envie, mais tellement envie. Bon, là, par contre, on est passé à 36. Votre âme sans expirer sur ta âme. J'ai perdu ma nourrice. Ouais, on va calmer ses vassaux déjà. 2.3, ça c'est déjà pas mal. Bon, elle est morte. Non, on veut pas être policien. La duchesse Laïa n'est plus votre amie. Tant pis. Bon. Principale héritière, c'est sa mère. Putain, mais fais chier! Elle va pas mourir, la vieille!
Non, mais c'est vrai quoi, on fait des efforts pour que nos employés pas de nourrice. S'il te plaît. Ah, c'est showtime hein, pour avoir. Complot découvert, mais non! Ouais, mais en même temps, elle a quel âge? 46 ans? Cinq balles. Ah, mon fils, il va devoir mettre la main à la poche là. Parce qu'à un moment, si je veux passer. Tant pis, hein, mon fils, il va passer. Il va mettre la main à la poche. Hein. Ah, les efforts sont plus reconnus de nos jours, on est d'accord. Petit-fils prisonnier. Ah ben, qu'est-ce que j'y fasse? T'es guéri. Négociation avec le roi de moins 48%. Ah, ça c'est pas cool ça par contre. N'employez pas de nourrice. Le problème étant, DJ Snake de Minorque, Satan conseille, il est bon dans quoi lui? Dans la guerre. Faut le mettre là. Votre chef de la foi vous accorderait une revendication sur le royaume de Frise. Oui, mais non, ça fait loin. Négocier des alliances. Le roi de Bourgogne refuse 0. Et l'émir 128. Ok, c'est parfait. Le problème, c'est est-ce qu'on peut. Il a 4 et moi j'ai combien? J'ai 5. Est-ce que vous pensez qu'on peut assassiner toute la famille là? Oh putain! Ah, ça peut fonctionner hein, si on se loupe, on peut mourir et tout donner à notre frangin. Mais c'est pas dit. Si je fais ça, débauché, perdu à la luxure. Ça peut peut-être fonctionner. Ça peut peut-être fonctionner. Non, je suis désolé, je suis obligé de partir là-dedans. On va négocier l'alliance pour l'instant. Un tournoi. Il faudrait juste des capitaines expérimentés et je pense que ça sera suffisant.
L'agent se rapproche. Complot, probabilité du complot plus 10%. Merde. Pas de bol. Ah, ça va être plutôt de la déclamation pour le coup. Mais les débuts de l'épreuve, la gloire sera notre. Ah bah non, c'est la mêlée. Non. Au milieu du sang et du tonnerre de la mêlée, il est presque impossible de garder ses repères. La masse des participants s'agit dans tous les sens comme une foule impossible à diriger. Malheur à celui qui se mettrait sur son chemin. Un paysan malchanceux devrait casser écarté rapidement pour échapper au tumulte, mais cela se complique toutefois lorsque la victime est un bâtiment. La mêlée s'est déplacée vers Limoux et j'aperçois des concurrents des deux parties démolir les façades des bâtiments pour en faire des boucliers de fortune ou même des projectiles. Je crois que je peux même entendre le crépitement des flammes au loin. Assez trêve. Je me retire du tumulte pour retourner au camp et remarque sérieusement quelqu'un en colère qui s'approche rapidement de moi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Mon expression stupéfaite trahisse ma perplexité face à cette question. Mon village est en ruine. Oui, je m'en fous. À moi jusqu'à la victoire. Un petit 37%. À moi jusqu'à la victoire. Non, il n'y a rien eu. Putain, ça commence à se taper dessus. On aurait gagné? Les trompettes retentissent, la foule crie, les concurrents commencent à se rassembler, la compétition est terminée et l'annonce de l'équipe vainqueur ne saurait tarder. Un héros s'avance, sa voix résonne à travers la scène. Après plusieurs épreuves, quelques difficultés et surtout une compétition très serrée, nous avons notre vainqueur. L'équipe du duc David bat celle du petit roi Alfred à cette épreuve. Bien joué tout le monde, il est temps de fêter. On a gagné! On a gagné! Vraiment? Ah, en plus, on a gagné une belle armure. Perte pendant la phase de retraite, moins 15%. C'est beau, ça. Et nous avons un champion. Je suis d'accord. Allez, je suis quand même bon. Troisième dans la ligne de succession. On était quatrième tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Malika? Oh, ma soeur est devenue. D'accord. Bande d'oiseaux égarés. Ça fait chier de leur offrir de l'argent. Va pour perdre ça. Est-ce qu'on en est où de l'assassinat là? Enfin, et ouais. Complètement au courant, quoi. Ah, on va pas pouvoir récupérer la Sardaigne avec tout ça. Hein. On va aller se faire un tournoi en plus. Ce qui fait chier, c'est que mes frangins, en fait. Mes frangins ont les autres territoires, quoi.
Et j'avais pas de toute façon la renommée pour pouvoir les virer du pays, etc. Donc c'est compliqué. Ah oui, on arrive juste pour le combat, quoi. On n'a vraiment pas le temps, on se tape dessus tout de suite, quoi. Mais les sabotages, non, 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 on va pas saboter quoi que ce soit. Après avoir dépassé un adversaire, je fais faire volte-face à ma monture afin de retourner dans la mêlée. Alors que j'avance, je vois une silhouette être désarçonnée par un coup donné par l'arrière. Apparemment, indemne. Dusty regarde autour de lui en quête de sa monture, mais elle est déjà loin, affolée par le bruit des combats. Je m'approche en prenant de la vitesse sans le perdre des yeux. Du haut de mon destrier, il a l'air si petit et sans défense. Ce ne serait pas honorable aux yeux d'un spectateur, mais à l'amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. Allons-y comme ça, on y va à pied. On fait une trêve. Ah, on a un 46% si à moi jusqu'à la victoire. Ouais, on y va. Allez, encore un effort. Et c'est une défaite. C'était un 50-50. Cette fois-ci, on a perdu. Mais on se sera bien battu. Et on n'a pas pu gagner plus d'occasions de victoire avec le temple ou avec le terrain. C'était compliqué, mais c'était loin aussi. Les duels, les combats quand ils sont lointains, c'est compliqué. Deuxième, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a un fils qui s'est noyé déjà. Elle a quel âge son épouse? 28 ans. Et elle est chaste. Vous pensez que si on fait ça... Non, mais c'est l'air de rien. Merci d'être passé, Falsac. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Par contre, on est tempéré, compatissant, arrogant, on fait des assassinats, quoi.